Salut à tous, c'est Tanguy, on se retrouve pour un nouveau rétro let's play sur un jeu développé par Capcom, et développé par, édité par Virgin Interactive et accessoirement Capcom. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour Dino Crisis 2. Voilà, un jeu qui fait suite au premier opus que je n'ai pas réussi à trouver, donc du coup, eh bien, on part directement sur le 2. Un jeu qui a un petit peu évolué suite du premier, car se voulant plus arcade, vous allez le voir, enfin, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, le premier était vraiment une copie conforme de la saga Resident Evil, avec une ambiance un peu survival horror. Et avec des idées, voilà. Et celui-ci est parti carrément dans l'arcade avec du scoring, etc. Par contre, visuellement, il met la barre un petit peu plus haut. Ça fait partie des derniers gros jeux de la PlayStation. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en tout cas, c'est un jeu qui est sorti en septembre 2000 au Japon et aux États-Unis. Et sorti en novembre 2000 en Europe et donc en France, voilà. Et donc du coup on se retrouve avec cette magnifique cinématique qui nous retrace et bien l'étendue. Voilà, 2010, oh là là. Oh, la tête de Fruitos là, l'espèce de Pokéball. Oh là là. Our mission to rescue 1300 survivors and collect data on the third energy project. Et là, ça va être la catastrophe. Voilà. Ah, ça commence direct, hein. Et on voit clairement que le parti pris du jeu a été accentué sur l'action, voilà. Ça sent pas bon tout ça. Ça sent pas bon. Là, clairement pour l'époque, hein, c'est cinématique en images de synthèse. C'était tout simplement ce qui se faisait de mieux. Hein. Les Japonais quand même pour l'époque, entre Capcom et Squaresoft à l'époque, maintenant qui est devenu Square Enix, en termes de cinématique en images de synthèse, c'est vraiment ce qui se faisait de mieux. Hein. Et direct, on va rentrer normalement dans le dur. So, this is the Cretaceous way of welcoming guests, huh? Not exactly the red carpet treatment. There's no response. I'm pretty sure my team's all right. There's more than 1,000 survivors. Let's get moving. Now hold on. What was your name again? Hey! Ah, d'ailleurs, je sais même plus comment s'appelle cette nana. Je me rappelle plus. The ivy is wrapped around the door. It won't open. Let's try the door over there. Oh, come on. Didn't they teach you how to open a door at SWORD training? Here, I'll show you. Watch this. Ah.
Eh ben, c'est un peu loin. Yeah, that weapon definitely suits a Trat member, but I prefer to go in this way. See ya, Mr. Barbarian. Hey, the name's Dylan. Call me that when you need some help, okay? Est-ce qu'on va pouvoir alterner entre les deux personnages en avançant dans l'histoire, voilà. Hey, salut Bobby. Je vais t'appeler Bobby, je vais pas t'appeler Dylan. Ah, on commence direct avec lui, d'accord. Ok, j'avais carrément... ok, je me rappelais plus de ça. Ok, hop. Et voilà, on a trouvé le medikit. Ah, je me rappelais plus qu'on commençait avec lui. Ok. Donc du coup, bah, c'est verrouillé, hein. Eh oui. Eh oui, parce que la dame, elle nous a fait un coup de... un coup pas cool, là. Je me rappelais plus qu'on commençait avec lui. Ok. Bon, bah du coup, il va falloir passer. Voilà. Et on va avancer. Hop. Alors, pour tirer, c'est toujours la même chose. Et là, premier combat. C'est parti. Pour l'époque, ça défouraillait quand même. C'était très très joli et ça le reste encore. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça encore franchement plutôt joli quand même. Certes, c'est dur, hein, faut se remettre dans le contexte. Par contre, j'aimerais bien retourner rapidement. Voilà, tiens, voilà, combo. Et on avait une histoire de combo, voilà. Avec des systèmes de points qu'on pouvait dépenser dans les... Je crois qu'il y avait des espèces de marchands ou je ne sais quoi. Ok, ça n'a servi absolument à rien. Ok, allez, on avance. Voilà, viens là. Aïe. Voilà, avec une jauge de santé qu'on a... Voilà, complètement différent des... Ok, hop, hop. Bouge. Voilà. On avait un système de visée automatique aussi. C'est-à-dire que dès qu'on appuie sur R1, en fait, ça lock automatiquement l'ennemi le plus proche. Hop, allez, je change. Voilà, viens là. Tac, un système de combo. Voilà. Aïe. Aïe, oh, là j'ai eu mal. Là j'ai eu mal. Aïe, mes diplomates. Hop. Hop. Voilà. On a bien compris que c'était beaucoup plus action que, que le premier. Allez! Allez! Voilà. Voilà. Viens là, hop. Oh! Bouge-toi! Alors. Là, hop. Allez! Voilà. On va aller voir ce qui s'y passe. Ok, on revient là. Ok. On va passer par là. On va descendre l'échelle. Tac. Toujours avec ces petites scénettes. Et encore, ça change de Resident Evil parce que là, on voit notre personnage en fait. Il n'y a pas d'ennemis pour la... Ah voilà. Ok. Alors, par contre là pour recharger, je ne sais pas du tout. Ok. Non, il n'y a personne dans le coin. Aïe. Ah, on a la machette. Ok. Pour aller dans le menu... Il n'y a pas de menu, c'est bizarre ça. Pas de menu. Ah si, le menu c'est select, ok. Et donc du coup, eh bien, ok. Ah oui, on peut choisir l'arme secondaire, on a les objets. Ok, bon, rien d'extraordinaire. En fait, il n'y a absolument rien. Je pense qu'il doit y avoir des puzzles. Voilà, hop. On revient, ok. Là. Ok. Hop. Voilà.
Voilà, bon, c'est un peu aléatoire hein, quand même les coups, parce que sur certains, bah, il faut une bastos et sur d'autres, une seule. Voilà, donc c'est un peu bizarre. Donc vraiment que c'est beaucoup plus action hein, que ça. Parce que dans le premier, moi je me rappelle, c'était une ambiance digne de Resident Evil. Hein. C'était très très lent. Ok, allez on descend. Hop. Le but c'est d'avancer quoi. Hop hop hop. Aïe. Peut-être falloir que je me remette un peu de vie quand même. Ouais, parce que là, ça commence à sentir le pâté. On va, hop, guérison. Et on va se mettre... Eh ben on va se mettre ça. Ah, c'est qu'il y a un système de saignement, d'accord, ok. Ok. On va se mettre cet objet. Et puis voilà, on va sortir. Et voilà. Bon, par contre, ils s'arrêtent jamais. Hein. Ils s'arrêtent jamais, hein. Ils viennent... Je crois que le système de points, ça, c'est la monnaie en fait dans le jeu, il me semble-t-il. Hein. Si je me trompe pas. Viens là, toi. Voilà, canet. Hop là. Ok, voilà. Voilà, deux d'un coup, tiens. Dans ta face. Hop, allez. On va prendre le medikit. Tac. Hop. On avance. Allez, on descend. Alors, et ils viennent à l'infini les trucs là. Ils viennent à l'infini, viens là toi. Voilà, tiens, un contre. Tiens, dans ta face. ah, oh. Ah, ok. Ah, ouais, oh, ouais, du smut, ouais. Oula, ah, ouais, d'un coup, c'est là le système d'hémorragie, ok. Sauf que là, ouais, ok. Là, je saigne, du coup. Ok, je sais à quoi sert maintenant le... Ok. Retour à la vie, ok. Bah, du coup, les champs kikinés, parce que du coup, je saigne. Je saigne, tu cours. Je saigne. Voilà, viens là. On va récupérer ça. Hop. Medikit. Ok. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'il me. Par contre, là, c'est un peu embêtant, parce que du coup, je perds de la vie. Je perds de la vie. Ouais, c'était nul en fait ce que j'ai pris tout à l'heure. Waouh, qu'est-ce que tu m'as fait là? Arrête les saignements. Voilà, c'est ce qu'il me faut. Voilà, nickel. Voilà, viens là. Bouge. Hop, normalement on va déverrouiller certainement la porte, j'imagine. Ah non, on arrive sur une nouvelle porte, ok. Allez, viens là. Ok. Alors, on arrive sur cette porte. Là? Non, on peut pas? Ok. Ah, si! Ok! Le château d'eau! Ok. Oh, mais c'est qui ça? C'est qui? Are you one of the survivors? Don't run away. Come out. We came here to rescue you. Mais il s'en fout, il est parti, voilà. Il est parti. Ok, et là, du coup, là. Alors attends, il y a un fichier en boussole. Ok. Tac.
Et donc, du coup, on a un aperçu des, voilà, des spécimens qu'on rencontre. Hop. Et normalement, ça doit être, je crois, le système de points pour permettre de s'acheter des munitions, de l'armement, etc., de sauvegarder. Voilà, on a des munitions, voilà. Donc là, voilà, on va se prendre un anti-saignement, hein, ça peut être pratique. Hop, on va en prendre deux. Tac, on revient. Chargeur, ok. Outils. Alors en fait, au bout d'un moment, on va avoir certainement des améliorations sur l'armement. On va recharger l'armement et acheter les munitions. Recharger l'arme au maximum. Et bien, on va recharger l'arme au maximum. Voilà. Plus 50, plus 100. On va tout bouffer. Allez, on va tout bouffer, nous. On va tout bouffer. Et encore, ouais. Allez, on va racheter encore un peu. Ok, bon, c'est pas grave. C'est quoi ça chargé? Ah bah voilà. Et bah voilà, voilà, voilà. C'est tout simple en fait. Ok. Allez. Tac. On va pas sauvegarder. Ça sert pas forcément à grand chose. Allez. Hop. C'est verrouillé. On peut pas l'ouvrir. Ok. Bah voilà. Au moins, c'est fait. Petit détail aussi qui change par rapport à la saga Resident Evil, c'est que nous ne sommes plus obligés d'appuyer sur ce bouton carré pour courir. Ça veut dire que c'est un bon point et ça fait plaisir. Parce que ça a rajouté une certaine lourdeur dans les déplacements. Donc là, ils ont réussi à vraiment améliorer la chose afin de que ce soit beaucoup plus fluide. Donc voilà. Oh, qu'est-ce qui va nous arriver? On arrive dehors. Aïe, j'ai pas réussi à le contrer. Tiens, viens là. Donc là, on est reparti. Oh, ils sont beaucoup plus vifs. Hein. Ah, ils sont ouf là. Oh, allez, saignement. Saignement. C'est bon? Vous calmez là, les anciens? Ok, parce que chaque fois qu'on change de sprite, en fait, limite. Oh. Ah mais ils sont ouf eux, là. Ils sont ouf. Je sais qu'avec avec, j'allais dire une bêtise. Et puis il est plutôt loin le bonhomme. Ah. Ok. Avec j'allais dire Jill, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Je sais plus comment s'appelle ce personnage. On s'en fiche, je vais. Oh, je vais juste récupérer voilà, merci. Medikit, voilà. Avec le perso. Oh, mais ils sont. Hey, c'est pas. Hey, bouge toi. Bouge. Donc là, va falloir, hop, guérison. J'ai bien fait d'en acheter. Ils sont beaucoup plus coriaces quand même. Ok, allez, santé. Tac, tac, tac. Ok. Elle, elle a une mitrailleuse. Voilà, c'est de base, c'est ce que je voulais dire. Non, il n'y a plus personne. Ok, allez, on avance. On avance parce que là... Voilà. Parce que sinon, on n'a jamais fini. Hein. On va... Voilà. Et elle a une mitrailleuse qui fait sacrément de dégâts. Ok, on peut descendre, c'est bon. À moins qu'il y en ait un autre qui déboule dans le coin. C'est bon? Allez, on avance. Bon, par contre, c'est des mules infinies, quoi. Ok, allez, on avance. Ok. Allez, bouge-toi. Allez.
C'est bon. Ok, allez, on avance. Ah, faut avancer à tâtons, hein, parce que en fait, à chaque sprite, en fait, il y a de l'ennemi, quoi. Ah! Ah non, mais... Ah non, c'est pas vrai! Ah oui, à chaque fois, bouge-toi! Dégage! Dégage! Bouge! Hop, on va se mettre, hop, de la guérison. Et il est chaud, hein, quand même, hein. Je me rappelais plus qu'il était aussi, aussi exigeant. Alors après, j'y joue en normal, j'ai plus trop de... Ouais, bah, en fait, on va se barrer, en fait, parce que c'est quand même un peu souvent, là, voilà. Parce que c'est, en fait, tu t'en sors pas, en fait. Tu t'en sors pas, c'est pas possible. ils sont vraiment nombreux, quoi. Je me rappelais plus de ça. Ah, premier boss. Direct. Direct, quoi. Ok, d'accord. Direct, quoi. C'est quoi, c'est faut le shooter, faut faire quoi, faut se barrer. Oh, t'es énervé, toi, là, un petit peu, là. C'est faut se barrer ou on fait quoi, là? Non, mais t'es ouf, toi. On va se remettre de la vie, on va éviter de faire le foufou. Ok, bah on va se mettre un truc, et puis on verra bien, en espérant ne pas mourir, ça serait un peu bête. Aïe. Une arme normale ne suffira pas, oui. Il est préférable de fuir, rapidement, mais tu veux fuir où? Tu veux fuir où, toi? Je peux pas fuir. Je peux pas fuir. Une arme normale. Ouais, ok, c'est cool, mais... Je peux pas fuir. Allez, monte. Tu veux que je fuis où? Tu veux que je fuis où? Là? Ah, on peut fuir là, ok. Elle casse des... Ah, ok, d'accord. Donc, faut aller là-bas. C'est bien de me prévenir. c'est bien de me prévenir. On va prendre le medikit. Ok, une arme normale ne peut pas... Oui, c'est normal. Allez, on y va. Il va tout casser. Waouh. Oh, c'est les Power Rangers du futur, quoi. Du complexe militaire. Ok. Allez, on avance. Allez, Jacqueline, on va pas la croiser, hein. Jacqueline, on va pas la croiser. Moi, il me semblait qu'on l'a croisée plus rapidement. Hop. Tac. Salle de médecine générale. Oh. Qu'est-ce que nous avons là? Oh, ça rappelle, cette petite salle de sauvegarde. Rappelle Resident Evil. La clé plate, eh oui. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de revoir ce jeu, parce que, mine de rien, ça reste un très très bon jeu. Un peu différent de ce qu'aura pu être... Resident Evil ou le premier Dino Crisis. Et donc du coup, eh bien, on va regarder, il y a toujours rien. Il y a toujours rien. Enfin bref, voilà un petit aperçu de ce Dino Crisis
2. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce, le partage, le petit commentaire si vous souhaitez réagir. N'hésitez pas aussi, hein, si vous avez des jeux à me proposer, eh bien, ça me ferait plaisir. Voilà, il y a tellement de jeux rétro qui peuvent se faire. Donc, eh bien, si vous souhaitez en voir eh bien, un en particulier, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires en bas. Et puis, eh bien, moi, ça me fera un plaisir eh bien, de vous mettre, de vous proposer ça. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, eh bien, je vous dis, prenez soin de vous. C'était Tanguy. Salut.